Ah, bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue pour la suite de Gravity Rush 2 ce soir, jusque vers 23h à peu près. On va continuer l'histoire, vu que hier on s'était arrêté en plein plot twist, vu qu'on était revenu dans la ville du premier Gravity Rush, du coup. Alors on sait plus si on joue à Gravity Rush 2, Gravity Rush 1, on comprend plus rien, vu que tout est exactement comme dans le premier. Vous verrez à l'endroit où on va redémarrer, on aura même la pomme qu'il y avait au tout début de Gravity Rush 1. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Le souci du détail, mesdames et messieurs, c'est très important. Et bonsoir, Drazix. Comment vas-tu ? Ah, et donc on va aller à la maison. Si je me rappelle bien, elle habitait dans un tuyau d'égout. Donc, normalement, ça devrait pas avoir changé. On va vérifier ça tout de suite. Ah, j'étais un petit peu inquiet ce soir parce que... Ah bah, elle habite toujours là, ouais. J'étais un peu inquiet parce que Streamlabs était en PLS. Il ne se lançait plus. Et du coup, ça m'inquiétait pour voir éventuellement s'il y avait des nouveaux subs. Je les aurais pas vus dans ce cas-là. Et ça m'aurait un peu embêté. Mais ça s'est relancé, donc tout va bien. Eh ben ça va aussi, parfait. On est bien, tranquillement installé devant la télé, donc tout va bien. Avec un bon jeu en plus. Même s'il nous fait péter des câbles des moments, ça se passe pas mal. Ah oui, elle nous avait déjà pas mal aidé dans le 1, celle-là. C'était elle qui nous avait guidé vers le créateur. Oui, du coup, d'ailleurs, ce matin, je suis allé voir un résumé de Gravity Rush 1, vu que on retourne dans la première vie, je me suis dit que ce serait pas bête pour comprendre éventuellement ce qui va se passer. Comme ça, au cas où, si y a besoin, je pourrais faire un petit résumé vite fait. Pour pas perdre tout le monde. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi ce truc? Ah, c'est nouveau ça, tiens. Épisode 13. Je sais pas combien il y a d'épisodes en tout bien, d'ailleurs. Si ça se trouve, on approche déjà de la fin du jeu. On sait pas. information près des habitants, ouais. Appuyez sur carré près des gens en ville pour lancer une conversation. D'accord. Eh ben allez, on va parler aux gamins. C'est toujours eux qui ont les bonnes infos. C'est connu, ça. Ah, magnifique. J'étais sûr que ça allait faire un bon dialogue. C'est peut-être Zoé, le chien. Ou sa mère, on sait pas. Et ils ont raison. C'est toujours bien d'être parano dans la vie. Non, elle a rien à dire, elle. A priori, il faut trouver les bons PNJ, c'est ça, comme d'habitude. Et si le robot, on peut lui parler, peut-être? Bonjour, robot. Ah, mais il a un truc à dire, en plus. Ah, c'est extraordinaire. Un devoir civique, mais encore... Bon, combien de secondes il va s'écouler avant qu'elle devienne hors la loi, du coup? C'est la grosse question, ça, parce qu'à chaque fois qu'elle est quelque part, en général, elle finit rebelle ou compagnie. Ah bah, ouais.
Ojo. Ojo. Ah, monsieur Louis ? Ah. Alors, pourriez-vous me dire ce que font ces robots tout ronds ? Ah, c'est des grigots. D'accord. Ouais, ils doivent bien être au gouvernement ou autre. Cela, je crois que c'était les chefs de la police du premier, du coup. Ils ont dû se reconvertir. Ah, je suis allé trop loin. C'est quoi ce panneau? Ouais, c'est rien. Il y a plein de robots. On peut leur parler. Ouais, non, ils ont rien à dire. Ah, on peut les taper. Et ça fait quoi si on les tape? Ah, ils sont pas contents. Ok. Bon, il doit rester juste un PNJ à qui j'ai pas parlé. Ah, je suis allé trop loin encore. Ouais, il doit pas falloir monter ici en fait. Où c'est que je suis pas allé encore? Peut-être en l'air aussi. Non, ça a pas l'air. Ah bah parfait. Alors, est-ce que je pourrais vous poser une question? Ouais. D'accord, super sympa la femme. À mon avis, elle a dû faire un bond dans le futur ou une connerie dans le genre. Vu que déjà dans le premier, il y avait eu une ellipse de 1 an, du coup, par rapport à la ville. Là, ils ont sûrement redû faire le coup. Oh, va falloir courser la mouette encore. C'est reparti. Ils aiment bien les mouettes dans ce jeu. Faut faire quoi? Faut s'en rapprocher assez près ou... Non, ça fait rien. Ah, bon sang. Reviens par là. Ouais, mais les demi-tours, c'est compliqué aussi. Ah bah, je sais arrêter.
Hop, voilà. Elle a tout bouffé. Ah bon, on va les exploser, ça c'est pas un problème. Oula, j'ai été aspiré par le vortex. Ah mais fallait juste tuer le gros en fait, pas besoin de s'occuper des petits. Ça va, c'est cool. C'est quoi ce machin? Genre. Une Raven toute blanche. Eh ben allons-y. Ouais, ils sont agressifs. Bon, elle s'est mieux visée que moi, c'est déjà ça. Ah mais j'arrive pas à les taper. Attends, on va aller s'occuper du vortex. Voilà, et on va faire l'autre. Comme ça, on lui laisse les petits. Non, pas là-bas. Celui-là, là. Voilà, exactement comme ça. Bravo. C'est du propre. Mais il va où? Il s'est barré. On va recharger tout de suite. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus que les autres à faire. Ah mais il en reste un là, j'avais pas vu. Ah bon, on va y aller. Hop. Oh zut. Il a esquivé le dernier coup. Voilà. Ceux-là, on va les tuer en priorité parce qu'ils sont assez chiants. Si on les laisse faire, ils sont vite pénibles. Oh, mais leur mettre ses patates hein. Elle les tue en un coup, c'est violent.
Ah ouais, mais d'accord, en fait, ils ont tous des nouvelles attaques, quoi. Bon, là, c'est bon, il en reste plus. Non, c'est bon. Ah bah voilà, 3 ans. Bon, en gros, dans cette ville, ils seront tous morts avant que Kat ait la trentaine, quoi. Eux, c'était les deux qu'on avait sauvés au tout début du 1. Juste après... bah pendant le tuto, d'ailleurs. Bon, du coup, eh ben, on va se retaper tous les quartiers, je pense. Ils vont nous faire aller à droite à gauche comme d'hab. Par contre, j'aurais bien aimé trouver une plaque d'égout. J'en ai pas vu. Ouais, c'est pas grave. Ça m'étonnerait qu'il y en ait pas quand même. Après, je sais pas si c'est parce que je le fais sur PS4, mais ça m'a l'air quand même plus grand. Je sais pas s'ils l'ont retouché la ville ou pas. Du coup, c'est en bas. Allô? Ah oui, c'était les deux étudiants. Et comment ça se fait qu'elle savait pas qu'on allait venir? Elle a perdu de ses pouvoirs, ça y est. Si, oui.
Ah, d'accord. Et ça sert à quoi, du coup, de les métamorphoser? Bon, les fusionner, ok, c'est logique. D'accord. Bon, après, les talismans, ça sert pas à grand chose non plus. Rentre à la maison. Oh! Paye ton aller-retour pour rien. Oh, une plaque d'égout. Voilà, comme ça on pourra revenir direct. Et c'est par où qu'il faut que je rentre? Tiens, il y a une autre plaque d'égout là-bas, je crois. Un gars qui parlait. Une autre plaque là-bas aussi? Il y en a partout! Ah, mais ça se trouve, Callie Angel, c'est la fille qu'il y avait dans l'armée. La blonde, là, qui faisait un peu Valkyrie, là, à la fin. Et y a moyen, ouais. Du coup, on va activer la dernière plaque là-bas. Puis on va regarder si sur la carte, ils nous ont mis... Ah zut, faut attendre. Non, toujours pas. Ah si, c'est bon. Ah d'accord, du coup, c'est juste la carte de la ville, en fait. D'accord. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a des quêtes annexes, ok. Et là, ce sera pour la suite du scénario. Bon, on va faire les quêtes annexes, comme d'habitude. On va aller parler aux gens avant. Du coup, faut aller là-bas. Ouais, je pense qu'on aura fini le jeu d'ici le 3 mars quand même. Comme ça, on pourra sûrement se faire enchaîner avec Zelda après. On pourra le faire avec une version dub sur Wii U. Donc avec les voix jap et avec les sous-titres français. Je pense que ce sera cool de faire ça. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Avec tous ces gens qui utilisent les trains, j'ai plus une minute à moi. Ouais, super. Oh, ils ont tout centralisé, quoi. Oh, il était où l'autre gars? Là-bas. Putain, il y a encore des gemmes de partout. Je vais être obligé de me refaire encore une séance pour aller tout ramasser. Mais bon, comme d'habitude, je la ferai hors stream parce que c'est pas là, un truc passionnant à regarder ces activités-là. C'est un peu lourd. Ah, j'avoue, ils ont géré avec la sécurité. Hein. Salut.
Et en fait, c'est lui le professeur. Tu paries? Non, même pas. C'était juste un gars random qui fait la pub. Ok. Bah, pourquoi pas. Et du coup, Brahman, c'était censé être le bras droit du gars de l'armée, non? C'est ça? Je m'en rappelle plus, par contre, le nom qu'il avait, ce scientifique. Si quelqu'un s'en rappelle, à la limite, il peut le dire, il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, l'occasion, pourquoi pas? Il va où? Ah, mais pourquoi il m'embarque? Où c'est qu'il m'emmène celui-là? Je veux pas aller extraire du minerai maintenant, moi. Bon, bah, apparemment, si. Ah, la baise. Ok. Eh ben descendons. Bon, j'espère qu'il va pas en demander beaucoup. On puisse vite continuer. Oh, mais il va m'en demander combien du coup? 50! Ça va, il s'embête pas. Oh, salut Eridan, comment ça va? Eh ben voilà. Ah bah même je l'ai pas vu la reine de combat. Il veut une photo. Ah bon, on va lui faire sa photo. C'est par où? Ah, mais c'était au tout début, ça! Je m'en rappelle! Oh.
peut s'éloigner du coup. Ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'elle a ? D'accord, sympa. Ouais, j'ai avancé. Je risquais pas de reculer. Encore une photo? Mais il veut que des photos, lui. Ah, il veut toute l'île. Oh, il est pénible. Tu crois que ça va, là? Non, c'est encore... Si, peut-être. Ah bah si, c'est bon. Ouais, je comprends rien à ce que tu dis là. Depuis le début, je fais des efforts pour te lire, mais alors là, par contre, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Si tu pouvais faire plus d'efforts, ce serait très gentil de ta part. Je vois pas où il veut que j'aille par contre. C'est quoi ça? D'accord. Ah mais c'est l'ascenseur de là où je viens. Ah ok. J'avais pas capté. Ah mais c'était là qu'il fallait que j'aille. D'accord. Ah mais ça fait combien d'années qu'il lance des trucs dedans? Non, fallait pas prendre une photo. Putain, mais je vais pas réussir à la voir. On va se poser là. Vas-y, arrête de bouger. Voilà. Est-ce qu'on peut récupérer des cailloux sinon? Peut-être là-bas. Je vais essayer de prendre ça. Non, on peut pas. Ah ouais, mais je vais pas regarder ton live pendant que je suis en train de liver par contre. Je
regarderai dans la rediff au pire. Mais ouais, quand je live, hein. Je fais pas trois trucs en même temps. Ah bah quand même. Bon, je suppose que là où il y a les autres, c'est là où il y a d'autres objets. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, hein. Ah, elle a vu un truc. Ok, donc ça doit faire du bruit, c'est ça, je suppose. Le détecteur réagira si tu te tiens dans la direction du vieil émetteur radio. Ajuste la caméra pour essayer de déterminer sa position. Un repère de navigation apparaîtra. Ok. Ouais, c'est automatique la rediff. Tu t'en fais pas, c'est tout sur Twitch. Ah bah c'est là-bas. C'est des navis, forcément. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre hein, ici à part ça. Mieux faire les petits volants en premier. Voilà. Ça évitera de se prendre des boules au pif comme ça. Hop. Et le dernier. Faut lui péter sa carapace. Ce serait peut-être plus simple en titan, remarque. Oula. Ben, on met la super vu que j'ai plus de vie. Comme ça au moins, on est safe. Bon, c'est bon, tu peux arrêter de faire des tourbilol. Calme-toi. Voilà. Et prends la vie ici. Ça irait très bien. Et du coup, la radio, elle est où? Ouais, c'est la vieille radio. D'accord. Allez. Ah, enfin. Bon, ça va, finalement, elle était sympa, cette mission. Je m'attendais à pire. Vu ce qu'il nous avait fait faire dans ces zones au début du jeu, on n'a pas fait que casser des cailloux. Ça va. Et le pire, c'est qu'on peut y retourner n'importe quand dans ces zones pour aller miner. Au cas où tu sois un peu masochiste sur les bords, ils ont pensé à toi. C'est ça, c'est bien.
Oh, yeah. Oh, et ben. Ok. La Libby. Oh, le pauvre gars. Ah ouais, c'est moche, j'avoue que... Ah, j'ai récupéré un talisman, tiens. Ouais, ok. On s'en fout. Eh ben, une quête annexe de fête. Bon, ensuite... C'est quoi ça, déjà? Événement en ligne? Ouais. On verra un autre jour. Oh, je reçois plein de trucs pour des chasses au trésor. Ça va être dur de pas en faire. Hein. C'est assez marrant à faire ces trucs. J'en montrerai peut-être une tout à l'heure. Okay. Ah bah eux ils t'ont vu. Direct. Ah mais il y a même la tenue et tout. Oh là là. Ah, mais on dirait Machine Angel, je sais pas quoi. Ah ouais, Kelly Angel. Ok. C'est... Ouais, bah je suppose que la tenue, tu l'as à la fin de la quête, de toute façon. Ok. Cinquante personnes.
Ah, je suis allé trop loin. On va y retourner. Ouais, c'est fini déjà. Ouais, 3 km, c'est ça. Elle va la payer cher, sa glace, hein. Si elle doit travailler pendant 15 ans pour ça. Bon, faut ramener combien cette fois? Ah, mais il y a la vraie en plus! Du coup, va falloir l'éviter, c'est ça? Ça va mal finir. Et c'est que ça donnerait presque faim cette histoire. Après, je vais aller manger une glace. Voilà, et puis on va finir par le quai. Non, même pas. On peut finir là. Il en manque que 4. C'est bon là, normalement, non? Ah, elle a trop bouffé de glace. Elle va se faire repérer. Ah, la loose. À une personne près. Oh bah on va recommencer. Toujours pas. Ah oui, j'ai oublié ceux du fond, non? Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Bon, ils vont faire encore un dernier coup, non, je suppose, avant de se faire choper. Comment ça va se passer?
Ouais, il commence à y avoir une bonne file. Hein. Les autres, ils doivent être bien dégoûtés aussi. Oh, une bagarre! Ah mais non, faut pas faire ça, c'est violent. Balance-leur des caisses sur la tête. C'est mieux. Oh, voilà. Bon, ça va, ils sont pas bien forts. Hein. Ah bah bravo, le suicide à la fin, c'était parfait. Eh bah ouais, grillé. On l'avait très 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 légèrement vu venir, quand même. Sidukua Sunju Bise Shuidu Biola Dulaset Près de son pignon. J'adore ces conclusions comme ça. Ah bah voilà, j'ai la tenue. J'ai même la pose de Kali. Mais non, on va pas rentrer tout de suite, il reste des quêtes annexes à faire. Oh, elle comprend rien. Faut tout lui dire. Elle est où? Elle est là. Faut monter, faut descendre, faut descendre. C'était peut-être une mauvaise idée de descendre ici. On va remonter. Oh tiens. En passant. Ah, une plaque d'égout. Bah elle est là. Voilà. Impeccable. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Comment on va t'aider? On peut lancer le temps de chargement en mode manuel, c'est ça? Vas-y, tu peux y aller! Ouais! Ah, monsieur Lee? Si. Encore? Oh, tout de suite. Un petit compliment et ça passe. Normal. Mais si bon. Eh ben on est reparti. T'as les développeurs quand ils ont une idée de gameplay, après ils les réutilisent à l'infini. Ah, faut leur rentrer dedans. Ah ouais, il y a une petite variante alors. Oh,
Ah ouais, mais non, je vais pas utiliser ça par contre. On peut pas leur balancer dessus, non? Non, on peut pas. Ah mais le temps il est pas limité. Oh bah c'est bon. Pas besoin de se presser du coup. Oh bah là, il y a une belle ligne. Voilà, plus que 3. On y est. Oui, voilà. C'était fantastique. J'espère qu'il y aura une mission comme ça dans Breath of the Wild. Ah bah voilà. Du coup normalement on a fait toutes les quêtes annexes. On va attendre que ça pop pour vérifier que la carte soit de nouveau disponible. Non, toujours pas. La carte? Ah, la carte. Du coup, où c'est qu'on n'est pas allé encore? Là c'est bon. C'est quoi ce machin? Ah, c'est l'oracle. Ok. Et là, on est bon aussi. Il ne reste plus qu'à aller là, du coup. On va aller parler aux gens. Et après, on fera la quête annexe. Et après, le scénario. La vie est bien faite, quand même. Il manque juste le mode ultra rapide quand on fait des longs voyages comme ça. Vu que les téléportations, il n'y en a pas de partout. On va passer par au-dessus par contre. Si on peut passer par là. Ouais, ça a l'air. Hop. Ah, le fameux devoir civique. On doit boire. Ah, une plaque d'égout. Ouais, trop bien. Ah, voilà. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu vas encore me donner une nouvelle tenue, c'est ça? Ah bah ouais. Encore une tenue du coup. Ah mais elle était pas en DLC dans le 1 celle-là? Je sais plus. Peut-être une autre version. J'en sais rien.
petit larin. Et c'est quoi comme genre de film exactement? C'est pas que la prise qu'il va falloir refaire. Et elle fait ça gratuitement. Ah bah voilà. C'est la faute à la manette, évidemment. On le dira jamais assez. Putain, mais je vais pas y arriver. Et si je cours pas, ça fait quoi, tiens? Si j'y vais en trottinant, ça passe ou ça passe pas? Il faut faire quoi quand il y a le train déjà? Ah mais d'accord. Faut y aller avant qu'il nous renverse quoi. Ah. C'était trop juste. Bon. C'est à peu près ça. Faut juste que j'aille un tout petit peu plus vite. Ah mais ça va, du coup ils nous remettent là. Ah bah c'est bon. On n'a pas tout à refaire. Oh bon ça. Voilà. Ça, c'est la technique Uncharted. J'ai arrivé mon livre. Grosse phrase. Je sais même pas quoi dire. J'ai arrivé mon livre. Ouais, ok. Bah, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il va me faire faire maintenant? Ah.
Aucun coup. Faut faire des roulades alors. Je dois faire quoi? Je dois m'enfuir, c'est tout? Ouais. Oula. J'ai glissé, chef. On peut remonter, là? Tu crois? Ouais, je sais pas. Ça a l'air compliqué, quand même. Ouais, allez, on va sauter. On recommence. Ah, bah c'est bien. Tu vas pouvoir profiter du bien alors, c'est cool. Hop, faut juste que j'essaye d'arrêter de faire n'importe quoi et ça passera mieux. Non! Dommage. C'était presque ça. Oh, bon sang. C'est compliqué les hitbox hein, dans le jeu. C'est pas trop ça. Autant d'habitude, c'est pas un souci vu qu'on plane tout le temps. Autant là... C'est pas comme Mario. Suite. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, faut monter là. Non, j'y suis pas arrivé. Oh, on va gruger. Ça passe. C'était l'arnaque. C'est passé. Un gros scénario. Ah, j'espère qu'il va sortir au cinéma. J'espère que Sony va développer le film pour de vrai. Et le faire à la place de Ratchet & Clank 2. Oh les fous! Ils sont pas sérieux! Bon, bizarrement pour l'instant c'est plus facile que tout à l'heure. Je sais pas s'il va y avoir une arnaque ou pas. Ah bah voilà. Le perso glisse, forcément.
Remarque, avec les talons comme ça, c'est vrai que ça doit pas être facile. On n'est pas dans Jurassic World où la femme elle peut courir 25 km dans la forêt tranquille. Là pour le coup c'est un peu plus réaliste, bizarrement. Ok. C'est lequel ? Celui-là. Ok. Ah bah voilà ! Parfait ! Oui. Tu fais ça devant un mur. C'est bizarre. Et en fait, depuis le début, ils ont oublié de filmer. Tu le sens venir, le truc, là ? Mais c'est bon. Ok. Alors, saute depuis le point de départ et appuie sur R2 avant de toucher le sol pour rouler. Continue comme ça jusqu'à ce que tu atteignes le sol en toute sécurité. Ok. Oublie de rouler ou que tu subis des dégâts, tu devras recommencer la scène. Ouais. Grosse roulade. Faut que j'aille où après ? Ah là-bas. Et là ? Ah mais ça va ! Une chute que tout être humain ordinaire peut faire, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous demander maintenant ? Ah, le bouquet final. Vas-y, fais-moi rêver. Ah bah génial ! Ok. Oh, ça devrait aller normalement. Ils sont pas trop violents les mobs ici. Ah bah si en plus on peut les pousser. Tiens, attends. Vas-y. Faut pas que je tombe par contre. Ça je le sens tellement venir. Ah c'est bon, il est mort. Alors c'est où qu'il faut tomber ? C'est là ? Bah ben voilà, c'était facile. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fasse les films quand même.
Oshui? Noerara! Lajura! Uya! Juserara! Puleto! Iriamba! Depuis quand elle a des avocats? C'est déjà étrange qu'elle sache ce que c'est un avocat. Ouais, des gemmes de partout. Trop bien. Bah il me semble qu'on a fini toutes les quêtes annexes, donc on va faire... On va la laisser rentrer à la maison. Depuis le temps qu'elle demande. Il est temps. Allez, rendons ton tuyau. Tu l'as mérité. Ah bah oui, mais ça fait 3 ans. Ah bah bien. Ah bah, il va falloir déménager. Et du coup, ça va être l'occasion de s'installer à un endroit où elle a la fibre. Je suis sûr, elle avait pas internet dans son conduit. Faut arranger ça. Mais en fait, il y a des gemmes dans tous les couloirs, c'est ça. Bon, je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. En fait, ça fait juste faire un petit tour, quoi. La gare. Où est la gare? Elle est pas là. Là-bas. Ouais, je sais. À qui ça donc? Et c'est où ça? À prendre le train. Et dans le premier, elle pouvait pas monter dans le train parce que... Ah ouais. Elle pouvait pas monter dedans parce que... elle avait son chat et du coup, les animaux, ils ont pas le droit de monter dans le train. Donc il faut qu'elle reste sur le toit, du coup. Ça va, ils s'en sont rappelés. Elle va bientôt nous dire que c'était mieux avant. Faites gaffe. Ah
Ah, je le veux. Pose-toi sur le train. Ah, j'ai fait une erreur là, je crois. Ah non, c'est bon, il s'arrête. Ah bah, les syndromes. Elle s'est encore fait arnaquer. Il y avait quoi déjà dans ce quartier? Je m'en rappelle plus. Ah oui, les usines, tout ça. Ok. Non, mais faut pas que je récupère les gemmes, sinon on va y passer la nuit. Oula, caméra! À sous le réservoir, carrément. Ah, mais c'est le gars pour qui j'ai pris les photos. Bien sûr. Qui veut celui-là? Bon bah ce sera pas pour là. Attends. Ah c'est Zoé. Salut Zoé. Comment tu vas? Non, tant pis. C'est pas Zoé. C'est juste un imitateur. Gros dialogue. C'est n'importe quoi. Ah, c'est où la gare? Je me rappelle plus. Moi. Alors, s'il n'y a pas la gare, on va suivre les rails. Ah bah c'est indiqué. Monsieur
Entrepreneur. Potela. Esse foi. Corre de beba. Oxui. Ah bah voilà. Ouais, mais encore. Bah, c'est mieux que d'habiter sous un pont ou dans un conduit comme elle avait. Maintenant, au moins, elle a une vraie maison. Ouais bah c'est bon, ils sont pas tous morts. Oh, t'avais nettoyé l'endroit, c'était pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est quoi ce machin? Odo, c'est fait? Dois... laissez. Ouais, pas besoin d'aéroglisseurs. Oh, c'est par où qu'on va? Près de la statue de la déesse, ouais. Encore un illuminé. Et donc faut faire la queue pour de vrai. C'est pas une blague. On peut gruger? On peut pas. Ah mais encore une excellente idée. Qu'est-ce que tu veux? Du pot. Siri. Bonjour. Encore? Oh l'amitié, on est dans un shonen quand même.
faut se respecter. Ah bah au revoir. J'ai bien répondu apparemment. Allez, avance. Et lui aussi, il va me poser des questions. Quoi, il est là? Ah non! Ah, pitié! Ah, c'est reparti! J'ai pas vu un robot par là? Non, j'ai rêvé. Tiens, toi. Ah bah voilà! Là-bas. Tu sais que t'es en train de pointer un mur, là. ok. Eh ben, allons-y. En fait, c'est le maire, c'est ça. Voilà. Si. Oh. Tiens. Blague. Et du coup, c'est retour à la case départ, c'est ça? On va leur demander. Non, le robot, il sait un truc, lui. Non, même pas. Oh là là, je suis déçu. Voilà, bon. Ouais. Je veux bien les voir, hein, mais... Peut-être sur le toit? Au pif? Non, ça a pas l'air. D'ailleurs, comment ils montent les gens ici? Parce que c'est bien de faire une grande roue comme ça, mais... T'es censé rentrer comment ici? De manière legit.
elle est pas là-dedans. Non, c'est pas lui. Oh bon, il les a toutes faites là. Y a pas d'embrouille. Ah, elle était derrière la maison. Les miracles, tiens. Ah bah on est parti. Ou pas. Ah, mais elle était loin. Ah, c'est le premier truc qu'il voit d'aussi loin du coup. Est-ce qu'en passant par en dessous, ça va passer mieux? Genre là, ça devrait être bon normalement. Un but, c'est pas mal. La grande roue qu'il y avait tout à l'heure là. Il est sérieux? Il pouvait pas y aller tout de suite avant? Ah bah ouais, c'est vraiment ça. On va repasser par en dessous.
Quoi? Bah c'est ce que je suis en train de faire là, non? Non, ça va, pas trop. Quoi ça va? Oh oh! Hein, quelle marche? Ah, merci. Par là. Et ouais, mais comment tu montes à ta grande roue? Moi, je voulais voir le chemin. Vas-y, montre-moi. Par où tu passes, là? Ah bah forcément. Donc c'était pas un perso du premier, le Bram, c'est un nouveau. Tu sais si tu... Ah, merci pour le follow, Lou. J'ai pas entendu l'alerte, par contre, mais... Streamlabs, ce soir, n'a pas l'air de bien fonctionner, donc... on fera ça. Ah bah voilà, elle est contente. Oh, mais il a changé, lui. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il a réussi lui. C'était un bon gars dans le premier. Ah bah voilà. Récupère des meubles à utiliser pour décorer la maison de quête en terminant différentes missions et chasse au trésor. Ok, allez, chasse au trésor aussi.
peut également rejouer l'émission précédente depuis une maison de quête ainsi que te téléporter vers des bouches d'égout sur la carte. Ok. Ben ça c'est comme ailleurs. Ouais, ça on était au courant hein, depuis... ça fait un petit moment qu'on joue quand même. Du coup ça fait quoi si on rentre? Jouer l'émission, changer d'apparence. Ah ouais, du coup, j'ai quoi comme tenue? Ah non, c'est... D'accord. C'est les meubles. Et du coup, j'ai rien encore. J'ai rien du tout. Bon, on va sortir. Allez. On va aller discuter un peu. Je vais en profiter pour amasser ça. Voilà. On va discuter avec un drone. Et du coup, je suis enregistré, non? Comment ça se passe maintenant? Scan en cours. Ah bah ouais, il me connaît. Ah, formidable. Bon, où on va? Est-ce qu'il y a des missions secondaires qui sont apparues? Oui, il y en a là. Non, attends. On va aller parler au gars. Ouais, on va se téléporter plutôt. Alors, la bouche d'égout la plus proche. Elle est là. Donc du coup c'était par ici, c'était là je crois. Je suis pas sûr, on verra bien. Oh pire, c'est pas grave de toute façon. Un petit vol plané et puis ça va bien. Allez. Ouais, c'était pas la bonne, c'est pas grave. De toute façon, l'île, elle est toute petite, hein, donc ça va bien. Hop, salut. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toujours l'histoire de l'océan des ténèbres dans le 1, qui a jamais été résolue finalement. En fait, c'est un truc qui est beaucoup plus bas, une grosse masse sombre, qui grossit de plus en plus et qui remonte petit à petit vers la ville. Et c'est vrai qu'on s'était barré comme ça, tranquille, tout va bien. Alors, du coup. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hop. Ah, encore une chasse au trésor. Je sais pas combien de temps elles sont valables d'ailleurs, les chasses au trésor comme ça. Faudra que je regarde un moment. Je suis là. Petit Pandora, tu sais? Je vais... Andrea! Libale! Yato... Sui. Normal. Cap.
Oh non! Oh, pitié. Ah, ça c'était bien. Bon, s'il y a les indications, ça devrait aller normalement. On va pas partir complètement au pif non plus. Bah, j'ai pas compris, mais pourquoi pas? Allons-y. Ah oui, il est bizarre quand même. Ah, ça fait pas très joyeux. Hein. Ah ouais, on va la remettre un coup. Non, on peut pas. Ah si. Ah voilà, je suis sûr que ça va le convaincre ça. C'est pas bien de se battre. Voilà, vite, t'aimes pas la violence, balance une caisse sur la tête. C'est bon? Y'en a un autre? Ouais, il est là. Oh, et voilà, elle a été violente. Ah, oh, c'est moyen quand même à la morale de ce jeu. Alors qu'il y avait des caisses juste à côté, tu vois, juste là, elle aurait très bien pu s'en servir pour leur balancer sur la tête, et bah non, elle a voulu leur mettre des coups à tout prix. C'est pas terrible, hein. Ah mais c'était le gars de la photo du coup. Ah, une mission d'infiltration. Vite. Ah, ça déclenche l'air cette fois. Ah, ils ont amélioré le système en plein milieu du jeu. Ils se sont aperçus qu'il y avait un problème. Ah bah c'est bien, bravo. Mais du coup, ce qu'il aurait fallu faire normalement, c'est corriger aussi le début du jeu. Bah, va falloir jouer sérieusement maintenant, ça veut dire. Attends, je vais espionner la conversation discrètement. Ouais, non, on peut plus faire n'importe quoi. Oh, je suis presque déçu, du coup. Ah, en plus ils me remettent la conversation. Ah non, ça va. J'ai eu peur. Donc là ça va. Là faut se cacher.
Tadadada. Ah, je suis super discret. Ah, Tipou. Ouais. Ah, faut prendre des photos en plus. Le visage faut qu'il soit visible, ok. Il faut que les deux soient sur la photo. Mais ça va pas marcher du coup. Ah, il m'a vu! Oh là là, je suis déçu. Donc va falloir que je vole au-dessus de sa tête en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. Je suis discret! Ah, voilà. Formidable. Ah ouais, ça l'alerte toujours. Je voulais tester si en balançant un peu plus loin, ça passait, mais non. Ah bah du coup, on a sauté la scène chiante. On peut continuer. Pom pom padadum. Pom pom padadum. Ah, encore une dame? Non, ah zut, faut se cacher, vite. Tu m'as pas vu? Non, je suis pas là! Arrête! Je prends juste des photos, ouais, c'est ton imagination. J'ai déjà pris 40 photos. Faut attendre que tu me dises de prendre la photo. Ah ouais, la prochaine, je vais essayer de me mettre sur la photo aussi. Il pourrait me donner une boîte en carton quand même. Ce serait mieux pour les phases d'infiltration comme ça. Un peu plus réaliste. Oh, tu me voyais pas là. T'as rêvé. Et là, elle prend pas de photo? Bah, c'est un peu pour le savoir qu'on le suit, non, normalement? Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il organise un truc pour sa copine. Zut.
Ah, il m'a vu. Ah, attends, mais si, il faut que... Pour avoir son visage d'ici... Ah tiens, de là, du coup. Comme ça. Voilà. Et là, je suis pas grillé, forcément. Tout va bien. Oui, c'est bon. Je suis là. Ah, je suis un expert pour prendre les photos. Ah bah oui, c'est important. Voilà, alors, vas-y. Prends ton appareil. Non mais c'est pas grave, t'en occupe pas. On a autre chose à faire. Voilà. Comment on pourrait cadrer? Comme ça. Ça passe? Non, ça passe pas. Est-ce que ça marche? Voilà. Grosse photo, encore une fois. Oh, on n'est même pas sur la photo. Ouais, du coup, il est parti où, le petit ami? Où ça? Ouais. Ah, toujours avec une fille. C'est important. Toc toc. À l'étage. Ah, si tu veux. Hein. Une photo. Ah, si tu savais. Ah, le quiproquo. Quelle invention fabuleuse. Ah, malotru. Ah ouais. Ah, grosse insulte. Faire quoi? Ah, l'attaque ultime, carrément. Ah, elle est comme ça, elle. Faut pas l'énerver. Hein.
Bonjour. Oh, c'est oui. Oh non, je sais. Yato. Un dieu. C'est oui. Oh, Ebipo. Cap. C'est de quoi son dieu baisait Shuido. Viola de la 7. Ah bah ouais, t'as fait un peu n'importe quoi aussi. Hein. Une petite dernière, allez. Ah, y'a rien. Ah par contre, s'il n'y a plus de quête annexe, on va s'arrêter ici, du coup. Ouais, il y a juste des gens à qui parler. Bon, on va y aller. Comme ça, on aura fait toutes les discussions. Et la prochaine fois, on pourra continuer l'histoire. Ah, mais parce que c'est... Ouais, c'était pas tout affiché sur la carte. Alors, attends. Du coup, on va attendre que ça s'affiche. On va pas faire les fous. Si on peut s'éviter des allers-retours, on va pas se gêner. Donc là, il y a toujours rien. Ici, comment ça se passe? Ah là, il y a un carnet de quête annexe. On va faire ça. Il n'y a pas de téléporteur. Donc on y va comme ça. Oh, de toute façon, c'est pas loin. Ça va pas être long. Hop, allez, la dernière quête du soir, avant d'aller faire dodo. Alors, ça va être quoi cette fois la catastrophe? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Ah bah c'est cool, si c'est tout indiqué, il n'y a pas de problème. Dis-moi tout. Là-bas. Hop, allez on y va. En plus c'est posé automatiquement. Au moins on s'embête pas. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Faut déjà aller récupérer la balise, non, normalement. Ça passera mieux. Ah ouais, c'est ça. Bon, on va où, du coup? Là-bas. Est-ce qu'on a enfin la première...
quête annexe où on va pas passer 15 ans à chercher un truc. Ce serait beau quand même. Genre tu places juste les trois balises et c'est fini. Ah ça marche pas. Voilà le début des embrouilles. Faut aller chercher l'expert. Eh ben on va chercher l'expert. Allez l'expert, viens avec moi. Il va tellement faire une crise cardiaque. Bon, j'espère qu'il avait mis sa couche avant de venir. Parce qu'à mon avis, il s'est vidé. Ouais, donc elle veut vraiment le tuer, quoi. Là-bas, carrément. Attends, va de la lumière qui clignote le plus vite à gauche jusqu'à la plus lente à droite. Ah bon? C'est nouveau ça. Si tu prends la photo dans les airs, c'est flou. Pourquoi pas? Ah parce que t'es pénible? Les balises sont alignées tout au même niveau. Les lumières... Gauche à droite. Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit. Et elles sont où les autres? Je me rappelle plus. Attends, là, il y en a une. Il y en a une autre. Et elle est où, la troisième? Allez. Du coup, où c'est qu'on peut se poser pour photographier ça? Par là, non? On va essayer de se poser ici. Je me rappelle plus c'est dans quel sens c'était qu'il fallait les prendre. Non, c'est pas ça. Ils le disent pas. Tant pis. On fera ça. Donc je me suis trop éloigné. Ah, celle qui évite. Ok, donc là on est bon. Théoriquement. Après, il faut juste monter plus. Mais plus on monte, plus on se rapproche. Tiens, si je vais là-bas. Théoriquement, là, on doit être bon, normalement. Et il va se casser la gueule, lui. À tous les coups. Mmh.
On peut le pousser? Non, on peut pas. Dommage. Oh, salut. Ok. Bon, bah s'il a gardé son boulot, c'est cool. Des balises, ouais, super. Je suis très content. Et bah du coup, bah, c'est ici qu'on va se laisser pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, 20h30 toujours. Et puis bah voilà, des bisous, ciao!